différence entre la justice et la justesse. On peut très bien juger juste et faire du mal quand même. Parce qu'en réalité, on ne peut jamais être juste dans le monde humain, puisque c'est une chose transcendante. C'est ce qu'exprime et rappelle Maat. Comme l'esprit de la justice, il est figuré sur la terre par l'inverse de cet esprit, c'est-à-dire la loi qui coupe. Souvenez-vous le jugement de Salomon. Comme il ne peut pas donner un enfant dont il ne sait pas qui est la mère, il va dire, bon, c'est simple, on va le couper en deux. Comme ça, chacun aura sa part. Donc il mesure, par cette figuration, la distance extraordinaire entre justice et loi. La loi voudrait que ces deux femmes se partagent cet enfant, on n'en parle plus, et à quoi bon? Et c'est le cri de désespoir de la maman qui va lui indiquer qui est la maman. Il n'a pas d'autre moyen. On voit quand même que c'est une manière de faire qui ressemble plutôt à un conte, ce qui est vrai, puisque ça ne s'est jamais produit chez les Hébreux, ça s'est produit plutôt chez les Sumériens.